c'est leur sourire, parce que c'est vraiment l'un et l'autre deux patineurs hyper sympas et qui ne se laissent pas abattre par de mesquines histoires de notation. Donc ne serait-ce que pour cela aussi, il mériterait de monter sur le podium, mais il faudrait écarter ceux qui pour l'instant les devancent. Et les voici, Irina Lobacheva et Ilia Verbuk. Absolument rien à reprocher à l'exécution de cette Yankee Polka de la part du couple russe, mais l'on sait qu'ils sont beaucoup moins à leur avantage lors de la danse de création et du programme libre. Et si le couple lituanien dont nous vous parlions devait avoir le bonheur d'accéder à la troisième place, ce serait vraisemblablement dans la troisième ligne droite et la dernière ligne droite, c'est-à-dire lors de l'épreuve du programme libre, qu'il pourrait effectivement s'imposer face à ce couple russe. Lenichuk, on la disait en perte de vitesse avec quelques difficultés au sein.